Yo, salut les gars, c'est Croque-Madame, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme, moi ça va tout de suite. Alors, ce gameplay, je le présente un petit peu. Donc MP7, silencieux, grande cape, C4, paralysante. En atout, j'ai pas envie de vous dire de conneries. En plus, vu que je meurs pas, je sais plus. Je crois que j'avais mis fantôme, ouais. Je le mets pas souvent, mais des fois en guerre, c'est bien utile. Donc j'avais mis fantôme d'éther, pillard. Dextérité, donc j'ai enlevé robustesse à la mitraillette, mais pas obligatoire. Ou non, peut-être jamais mis gilet en fait, je suis bête. Ouais, j'ai dû mettre gilet en fait, parce que là j'en survivrai à la bêtise. Donc voilà, donc je présente. Donc sûrement les gars, il y aura deux gameplay là, vu que ça c'est super rapide, vu que la moitié du temps je suis dans le sarre et la lave. Donc voilà, j'ai fait 96-0 en 6 minutes en EC sur Hydro avec Loadstar, Atav, groupe de chasse. Donc ces séries là qui font réellement un carnage, vu que le respawn est assez simple quand vous êtes dans vos séries en fait, où c'est un gros carnage dans cette map. Donc, je voulais parler de quelques petits trucs. Donc tout d'abord, une petite foire aux questions là, FAQ. Donc posez-moi des questions dans les coms, celles qui reviendraient le plus fréquemment, et ben je prendrai note et sur mon prochain gameplay commenté, je vais accélérer. Donc sur le prochain gameplay commenté, je vous répondrai à certaines questions, hein, pas toutes, hein. Faites pas la gueule si je commente pas tout. J'accélère encore. Donc c'est pour ça que j'aime pas les sentiers les gars, que dans les séries, machin. Faut tomber sur des mecs qui quittent pas, ça c'est chiant, voilà. Donc là je sais pas pourquoi dans le mode studio ça fait une vague là à chaque fois, je sais pas, faut pas me demander, hein. Voilà, donc aussi je propose un nouveau truc, donc de jouer avec des classes un peu plus difficiles pour faire mes nukes, vu que j'ai dépassé les 100, c'est terminé. Donc faire des classes un peu plus difficiles. Donc vous pouvez me proposer aussi des clashs, je vous dis pas à 100% que je vais les prendre. Mais j'ai fait quelques petites nuques là, ça arrivera cette semaine, donc au courant de la semaine je pense. Où je joue en poids léger, que à l'arme en fait, sans C4, sans para, que à l'arme, 100% arme. Où je mets 3 accessoires où c'est pas forcément utile quoi. Donc voilà, j'accélère encore. La DAF, je vais bientôt le lancer je pense, voilà. Donc dans ce gameplay je joue qu'avec un seul pote, je vais vous montrer les scores à la fin. Toc. Ouais, au passage là je m'en rappelle, là, un gros coup de chance. Dans quelques secondes là. Allez, 23 balles dans le chargeur. J'en tue un. Hop. Incroyable ce coup de couteau. Honnêtement les coups de couteau dans le jeu j'ai pas dû en mettre beaucoup. Hein. Donc je mets les scores, donc vous voyez Croque Madame, Midi, après les autres vous les connaissez pas, hein. Enfin moi je les connais pas. Donc voilà, on a joué à 2, donc c'est important de le préciser quand même. Donc si franchement on jouait à 8, le gameplay aurait duré beaucoup plus longtemps, j'aurais pu faire les 100 frags assez facilement, on va dire. Donc dans cette map là, ce que je vous conseille, groupe de chasse, ça tape pas mal, après l'autre star, Adam c'est bien aussi. Donc là je réaccélère, donc voilà. En gros le gameplay dure 3 minutes je crois. Donc j'accélère. Donc je vous mets les scores, 96-0. Puis voilà quoi, tranquille. Après les scores en face, j'avoue que c'était des plots. Mais j'ai pas utilisé, je suis sur mon compte principal, j'ai pas fait de trucs pour tomber contre des plots quoi. Et je vais vous sélectionner une autre vidéo les gars. J'ai envie de faire un petit stock de vidéos. Donc ouais, faut pas que je me gore. Ouais c'est celle-là. Ouais. Donc tentative double nuque. Donc je commence par parler du gameplay, hein. Et après je parlerai de différentes choses. Donc ouais, la foire aux questions les gars, donc posez-moi des questions, n'oubliez pas. Quel âge tu as, comment tu t'appelles. Par contre les Facebook et tout je donne pas les gars, faut pas confondre YouTube, quel off et la vie de tous les jours quoi, je sais pas. Enfin bref, au moins vous êtes au courant. Voilà. Donc je présente le gameplay Scorpion. Ponyer Go, cross rétractable. Donc ça sera une de mes premières vidéos en mode 104 et tout, en mode un peu plus dur quoi, un peu plus de mérite. Après si vous trouvez qu'il y a moins de mérite, dites-le moi. Hop là, 3 headshots, il se passe quoi. Donc ouais, j'ai mis Ponyer Go, cross, grande cap. Avant je m'étais rapide sur la scorpion, mais c'est vrai qu'on est très vite à court de balles, faut toujours ramasser des sacs. J'avais comme d'hab, j'avais mis poids léger.
robustesse, pliard, dextérité. Donc poids léger, voilà, après je pourrais mettre gilet. Bon, en tout cas, je vous conseille de mettre gilet ou des terres. Qui est plus utile. Mais j'ai l'impression que gilet, ça a été un peu patché. On meurt plus que... Comment? Ouais, on meurt plus s'il y a un C4 à côté de nous, quoi, avec gilet, il me semble. Donc là, j'étais en compagnie de mes équipiers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de monde qui me dit multi-équipe, il me semble. Mais les gars, multi-équipe sur ma chaîne, je crois que honnêtement, il y a deux gameplays. Ou trois gameplays. À tout casser. Ah, mais sans nuque, je vais dire que j'en ai fait une dizaine en multi-équipe, c'est tout, ça s'arrête pas. Faut pas dire multi-équipe. Multi-équipe, je sais qu'il y a des plots. J'ai encore un gameplay en stock, une nucléaire au Remington. Bah, j'ai fait en multi-équipe, c'était des plots. Je l'avoue. Mais après, voilà quoi, faut avoir la chance de tomber sur. En plus, c'était sur cargo, donc c'était un peu la misère. Il y en avait qui étaient quand même bons en face là. Par exemple, dans la partie là, ils avaient un bon level quand même. Donc là, je les enchaîne pas mal, hein. Ouais, je vais vous mettre les scores. Je suis à 17-0. Je les enchaîne. C'est un peu du spawn kill, mais bon, c'est pas limite. Ils viennent de réapparaître, mais ils ont le temps de jeter des grenades, des paralysantes ou quoi. Donc, la scorpion que je kiffe, vous allez voir pas mal d'autres gameplay avec, je pense. Vous inquiétez pas. Donc là, j'arrive à enchaîner encore. Donc, je me tue. Je me rappelle plus à quel moment je meurs. Ah, ça va être par là. Non, même pas. Ouais. Donc, je vais bientôt mourir, il me semble. Et je pensais à autre chose. Oui, donc dans les coms, dites-moi s'il y a une classe avec laquelle vous aimeriez que je fasse la nucléaire. Ouais, je meurs à cause d'un snipe. J'étais deg. Je regardais la killcam, là, j'étais deg. Donc voilà. Donc 21-0, il me semble. Ouais, 21-0. Première nuque ratée. Donc la deuxième, elle est forcément réussie. Ouais. Donc c'est plus facile en équipe aussi, donc les gameplays qui vont arriver là, vous inquiétez pas, je suis soit tout seul, soit juste à 2 ou à 3 personnes maximum. Parce qu'en même temps, faut comprendre, c'est comme la nuque en mêlée générale. J'ai mis autant de temps à la sortir parce qu'à chaque fois que j'en le jeu, voilà, je me fais rejoindre, j'ai envie de jouer avec des gens. Voilà, j'ai pas forcément envie de jouer tout seul, donc et aussi dans mes gameplays, voilà quoi, il y a des fois mes coéquipiers m'aident, mais des fois, comme la nuque au 5-7, je vais reprendre l'exemple, mais ça fait un moment qu'elle est sortie. Voilà, la nuque au 5-7, on joue en 3 contre 3, mais ça c'était à l'ancienne, donc personne joue encore en 3 contre 3 quasiment. En tout cas, aucun youtubeur. Et je joue avec deux collègues, mais ils ont envoyé aucune micro, quoi. Donc voilà, faut observer les gameplays, hein. Observer à gauche, là, dans la barre, là, s'il y a écrit micro-station de telle ou telle personne. Observez, les gars. Aussi, le temps du gameplay, faut se faire des idées parce que je sais que voilà, moi je parle en connaissance parce que j'ai joué pas mal de temps quand même à ce jeu, je tiens à préciser. Et après je vais vous montrer mes stats nuque, donc je connais quand même pas mal de choses sur le jeu, hein. Si vous avez des questions à me poser, vous inquiétez pas, je répondrai. Après je peux pas répondre à tout le monde non plus parce que là en ce moment ça va être chaud. Voilà, donc je parlais donc des classes, si vous me faites des classes avec des armes spéciales. J'ai un petit gameplay à la chicom, je sais pas si je vais le sauvegarder. Après je vais vous montrer mes gameplays que j'ai en stock là pour. Je vais vous demander ce que vous voulez voir. Si j'y pense. Donc j'ai 73-15 à la chicom en hardcore. Mais je suis sûr que je peux faire mieux, je peux faire la nuque, parce qu'il n'y a pas de nuque dedans. Donc ouais, du hardcore, ouais, faut que je calme ma nuque en hardcore. J'étais pas loin la dernière, il me semble qu'il y a une fois j'étais pas très très loin de la mettre. Mais je n'ai pas réussi. Mais vous inquiétez pas, elle va venir je pense. Demi hardcore par contre, hein, MME hardcore. Non, y a pas MME, si je crois qu'il y a MME hardcore. C'est hardcore, non merci. C'est pas mon truc. Je préfère... Ah, je vais accélérer vite fait. Pas ça, j'ai très très chaud. Dans mes gameplays quand même, je remarque que je suis pas mal de fois tout rouge, hein. Donc c'est pas la connexion, moi j'habite en Île-de-France dans le 93, donc on n'a pas la fibre, je pense que vous vous en doutez. Ne vous inquiétez pas, voilà, donc j'accélère juste un petit peu. Voilà, je rush à droite. Donc les rushs aussi sont importants quand vous regardez mes gameplays, là par exemple je rush direct à droite, voilà, j'arrive à en choper un. Après je vais me chier dessus un peu là, l'autre avec ses paralysants, comment ça s'appelle, ses bâtons électriques, je m'en suis pris pas mal dans le gameplay là. Et j'ai pas de classe avec masque tactique. Voilà, vous regardez la mini carte là, j'étais en train de baliser sur la flèche rouge. Mais au passage j'ai très très chaud, hein, C4 qui m'est arrivé sur moi, et vu que j'ai pas gilet, j'ai pas léger, c'est assez chaud. Et donc là je vais pas mal enchaîner, il me semble.
Vu que c'est la scorpion pour spawn trap, c'est pas évident. Mais quand une fois que vous gérez cette arme, franchement les gars, c'est magnifique. Vous tuez une rapidité, si vous êtes bien précis à moyenne distance, c'est mortel. Donc ouais. Je vais attendre d'avoir. Je crois que je vais bientôt l'avoir, je vais ramasser une haine et je vais faire mes kills. Ouais, donc dites-moi, n'oubliez pas les gars dans les commentaires si vous voulez que je joue seul, que je fasse des nukes seul, que je fasse des nukes avec telle ou telle arme. Après voilà, il y avait. Par exemple dans les mitraillettes, je peux vous faire toutes les mitraillettes sauf la chicane, franchement je la trouve un peu dégueu. Si j'en oublie pas une dans les mitraillettes, ouais. Y'a quoi d'autre dans les fusils d'assaut? Ouais, y'a la SMR, je peux pas trop jouer avec. Après ouais, voilà, j'ai aussi un gameplay. Bah, après, je vais vous présenter les gameplays, les gars. Donc, dans le titre, ça sera un peu le bordel là, que je vais mettre sur ma chaîne. Là. Je vais mettre 96-0 plus nucléaire scorpion, je crois, un truc comme ça. Je vais pas faire un titre non plus double nucléaire scorpion plus 96-0 en express sur Hydro. Machin. Donc là, je fais quelques invincibles. Ensemble. Donc sur les armes aussi, les accessoires, par exemple, là j'ai ramassé une haine. Je vous conseille plutôt la crosse rétractable, silencieux ou sans silencieux, clair. Silencieux ou sans silencieux, je sais pas, après c'est selon l'habitude. La poignée avant sur toutes les armes, les gars, franchement ça fait pas grand chose. Hein. Ça vous met 4 points dans la barre de précision, mais honnêtement, ça fait pas grand chose. Donc pour info aussi, balle blindée, ça sert à. Ça sert à rien, donc déjà sur Jacket, les balles passent à travers tous les murs. Donc avec balles blindées, ça passe à travers la map, je pense. Balles blindées, après balles blindées, ouais. Donc balles blindées, je sais qu'il y a beaucoup qui croient que parce que ça augmente les dégâts, vous tirez plus vite, mais pas du tout. Il y a quoi d'autre comme atout que les gens mettent, comme accessoire que les gens mettent beaucoup. J'en ai pas en tête. Bon, après, il y a quelques détecteurs de cible et tout, mais bon, les gars, si vous êtes un joueur régulier de Call of, vous comprendrez que le détecteur de cible, c'est. C'est un peu pour les nuls. Je sais pas si je vais mourir. Ouais, le gameplay va s'arrêter parce que ça arrache quitte à la fin, évidemment. Ouais, donc les types, on aurait dit des bords. Voilà, là, ils ont sorti les boucliers, les mecs. Je vais faire un coup de score après, vous allez voir. Les types, ils ont. Enfin, je sais pas, ils se faisaient enchaîner, c'était pas des Français. Ils ont fini par arrache quitte, les mecs, ils en pouvaient plus. Voilà, je vais vous montrer les scores qu'ils ont fait après, franchement. Je pouvais rien faire. Donc, voilà. Donc, aussi le rush kit, je sais pas si vous voulez que je vous mette des gameplays où ça rush kit. Je vous donne un petit exemple. On a joué à 5 de la team Yug, donc pour info, la team, c'est juste une team comme ça. C'est pas une team de level, hein, les gars. C'est... Je vous arrête tout de suite. Parce que moi, c'est pas parce que moi j'ai un bon level que dans ma team, les mecs ils sont plus qu'à moi. Et donc, 5 Yug avec un joueur aléatoire contre une équipe de 3. Deux joueurs et un joueur au hasard. Donc là voilà, ça s'est arrêté là. Je vous mets ton Discord. Et en gros on perd la partie sur une jacket. Et on tape une revanche et on était plus que deux. Le reste de mon équipe était parti en fait dans le salon. Et ça a bugué, on n'a pas vu. Donc on a joué à deux pendant une minute. Après des joueurs ont rejoint et on leur a mis une raclée au type. Ils se sentaient plus pissés. On leur a mis une tollée, ils ont tous fini par rush kit. J'ai fait une série de 20 et tout mais je ne l'ai pas sauvegardé. Parce que c'est con, faut que je règle mon truc pour entendre les mecs qui parlent dans les salons et tout, qui ouvrent leur gueule. Donc voilà, je vais rester là. Nucléaire, 110. Donc j'ai fait un petit stock là ce week-end. 110 nukes. Voilà, chaîne d'élimination. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Je vais vous présenter mes gameplays vite fait. Là, on est à combien? 13 minutes. J'ai une petite minute. Choisir vidéo. Vidéo. Donc alors les gars, dites-moi dans les coms. Nuke à la MTAR, donc c'est en poids léger sans C4. Hein. Nuke à la LSAT, donc ça c'est, je viens de vous présenter. Ça c'est un gameplay très spécial les gars, ça va arriver, c'est très très lourd, c'est le meilleur gameplay que j'ai réalisé. Alors, ça aussi c'est pas mal, 51 gun streak plus la chaîne d'élimination à 9 sur Nuketown sans C4 et tout. Ça là aussi c'est pas mal, 20 kg DSR plus, non peut-être pas 20 kg, j'ai fait pas mal de kilos DSR, 18 je pense. 2 kg clé mort, 3 kg clé mort. Et des kills avec des mitraillettes. Mais à la base, je jouais au sniper. Donc je l'ai mis sur Mirage. Et c'est pas mal, les gars. Si vous voulez me voir jouer au snipe, votez pour Mirage. Non, je déconne. Ouais, je vais bientôt arrêter. Donc là, mêlée générale, Nuke Scorpion. Il me reste 15 secondes. 26 en mêlée générale. Type 25 Nuke. Nuke MTAR rapide. J'étais tout seul. Domination, je sais pas. Nuke Remington. Alors après, c'est des petits trucs. Et Nuke B23R. Donc les gars, sur ce, ciao, bye.